界は平凡か、未来は退屈か、現実は適当か。安心しろ。それでも生きることは劇的だ。Publié dans le Weekly Shonen Jump de mai 2009 à avril 2013, compilé en 22 volumes et comptant 2 saisons animées, Medaka Box a été écrit par Nishio Isin, à qui l'on doit les différentes œuvres Monogatari, et illustré par Akira Akatsuki, dont c'est la première œuvre significative. L'histoire se déroule au lycée à Konoha, dont une des élèves, Medaka Kurokami, vient d'être élue présidente du conseil étudiant. Cette élection devient un vif sujet de conversation dans tout le lycée, non seulement parce que Medaka n'est qu'en seconde, mais surtout parce qu'elle a mis en place une boîte à doléances à travers laquelle les élèves pourraient demander au conseil étudiant à résoudre leurs problèmes. Medaka étant cela secondé par Zenkichi Toyoshi, son ami d'enfance et narrateur de l'histoire, Koki Akune, un ancien délinquant et excellent judoka, et Moganaki Kaijima, une nageuse prodige obsédée par l'argent. Au fur et à mesure du manga, on découvre que tous les élèves de la Konoha ne sont pas vraiment qualifiables d'ordinaire. Alors ça commence soft avec un gosse de 10 ans en classe de première, puis viennent tour à tour un type à qui on ne peut pas désobéir, une fille qui fait littéralement pourrir tout ce qu'elle touche, une autre avec 10 puissance 16 habiletés, et là ce n'est qu'un échantillon. Et le manga raconte comment Medaka protège son lycée contre tout ce petit monde. Je ne vais pas vous mentir si je vous dis que j'adore Medaka Box. C'est un manga très original, tant au niveau de l'intrigue que du background des personnages, et je le trouve bien plus intense et intéressant que certains blockbusters. Vous ne me croyez pas? Très bien, voici mes arguments. Vous le savez sans doute, la majorité des mangas destinés à un lectorat masculin contiennent des combats, c'est notamment le cas des shonen. On en distingue deux grandes catégories. D'un côté, les mangas de baston où les combats sont physiques et font intervenir arts martiaux et armes de toutes sortes. Et de l'autre, les mangas psychologiques où les personnages se battent avec leur intelligence et où l'accent est mis sur le stress qu'ils ressentent tout au long de l'affrontement. Et bien Medaka Box réussit l'exploit d'appartenir aux deux catégories. Côté psychologie, chaque bataille intellectuelle met en lumière les personnalités des différents participants et chacun de leurs arguments reflète leur manière de penser, créant ainsi une extraordinaire profondeur. Et côté action, les combats dans Medaka Box sont aussi intenses que les combats d'autres œuvres du genre Naruto ou One Piece, quand bien même ils soient moins spectaculaires. Et justement, c'est parce que ces combats sont plus réalistes dans Medaka Box que le lecteur peut mieux les apprécier. Alors certes, on voit que c'est de la fiction quand un personnage marche au plafond ou quand un autre arrête des balles de mitraille avec sa bouche, mais comparé au Bankai de Bleach, il y a une sacrée différence dans les doses de drogue utilisées. En fait, la majorité des pouvoirs dans Medaka Box peuvent être expliqués de manière scientifique, et ça c'est très appréciable. Ensuite, qui dit manga où il y a des combats, dit forcément classification des personnages. Et dans Medaka Box, les personnages se distinguent les uns des autres de manière très originale par leurs différentes mentalités. Pessimiste à mort, égo surdimensionné, chaque personnage est défini par sa mentalité qui est à l'origine de son habileté s'il en a une. Le tableau suivant vous en fait un récapitulatif, alors amusez-vous à le lire et dites-moi dans quelle catégorie vous vous trouvez. Niveau graphisme, il est assez détaillé, dynamique et agréable à regarder. Les émotions sont très bien représentées, mais un seul petit détail me gêne. Les cils de presque tous les personnages sont hérissés, je vois pas d'autres mots. Alors certes, c'est plus réaliste que certains mangas où les yeux n'ont même pas de cils, mais je sais pas, c'est tellement peu commun que ça choque. Pour finir, l'anime couvre fidèlement les deux premiers arcs du manga et ne comporte que deux épisodes filler. Et bien qu'en général, ces épisodes soient assez mal accueillis par les fans, j'ai trouvé ces épisodes tout à fait acceptables et c'était une bien meilleure idée que de casser le rythme des épisodes canons en y ajoutant des scènes inutiles. Mais attention, j'ai beau adorer Medaka Box, vous ne m'entendrez jamais dire que c'est le manga parfait. Donc ça, c'était les compliments. On passe maintenant aux critiques. Tout d'abord, la fin de ce manga est la plus pourrie que j'ai jamais vue. Sur les 192 chapitres que compte la série, 190 sont dédiés à la première année d'études de Medaka. Les deux derniers chapitres ont un épilogue qui raconte ce qu'il se passe 10 ans après, alors que les deuxième et troisième années ne sont pas du tout traitées. Pourtant, il y avait encore tellement d'autres possibilités à exploiter. De nouvelles mentalités, un affrontement avec une autre école, des trucs comme ça, je sais pas. D'ailleurs, ça nous aurait peut-être permis d'avoir une troisième saison animée où figure enfin le meilleur personnage de l'histoire. Mais bon... Étant donné qu'un anime a pour but de faire de la pub à une série en cours de publication, j'ai bien peur que malheureusement on n'ait jamais cette troisième saison. Ensuite, les monologues. Vous connaissez Bakuman, Death Note ou encore Hunter x Hunter? Eh bien, vous pouvez rajouter Medaka Box à la liste des mangas les plus bavards du monde. Les pages entières d'arguments et d'exemples utilisés par les personnages lorsqu'ils défendent leur point de vue, les explications sur le fonctionnement de tel ou tel pouvoir, ça ralentit l'action à peu près à ce niveau-là. 7. Oh, they're away, and Gatling got away brilliantly, and
Lors d'une course, les principaux muscles employés sont les quadriceps, les ischios jambiers, les mollets et les abdominaux. Arrivent ensuite les muscles des bras qui servent à maintenir l'équilibre du corps. Mais pour atteindre une telle vitesse, il faut que ces muscles dépensent une énorme quantité d'énergie. Et pour ça, les cellules musculaires striées squelettiques ont besoin de beaucoup de sucre, car le glucose qu'elles en tirent leur permet de fabriquer de l'ATP au moyen de la glycolyse et du cycle de Krebs. L'ATP ainsi formé permet aux sarcomères de successivement s'allonger et se contracter, ce qui fait bouger les muscles. On continue dans la lenteur avec celle du début du manga. Sans déconner, un zombie pourrait s'endormir en le lisant. Dites-vous bien que dans un bon manga, aucun chapitre ne doit être inutile. Ils doivent tous apporter quelque chose à l'histoire et surtout au début. Mais ce n'est malheureusement pas le cas du premier arc de Medakabox. Sur 21 chapitres, 11 sont réellement indispensables car présentent les personnages et contiennent de l'action proprement dite. 4 sont utiles car annoncent l'action et l'intrigue du manga à venir. Et les 6 restants ne servent qu'à associer Medaka au mot parfait. Et c'est d'un chiant. Non mais sérieusement, rien que dans le premier chapitre, on apprend que Medaka a gagné ses élections à 98%, qu'elle major a tous les contrôles qu'elle passe, qu'elle est experte en kendo après avoir essayé seulement le sport. Pour moi, c'est suffisant. Pas besoin de 6 autres chapitres inutiles qui contiennent une liste d'exploits dont on peut se douter après avoir seulement lu le premier chapitre. Et comme ça suffisait pas, bah qu'à cela ne tienne. Le chapitre 22 nous en fait un résumé. On a compris que t'es parfaite. Fous-nous la paix. Et ça, c'est pas le pire. Parce que si le premier arc est lent, les 2 derniers arcs, eux, ne collent pas du tout avec le reste de l'histoire. D'accord, le manga s'appelle Medakabox. D'accord, il doit suivre les aventures du personnage éponyme. Mais pour l'amour du ciel, pourquoi avoir changé le sens de l'intrigue? Dans les 4 premiers arcs, l'action se passe au lycée à Konoha, et les enjeux de chaque bataille concernent le futur des élèves. Et là, à partir du 5e arc, tout tourne autour des personnages principaux, avec des combats sans conséquences pour le lycée. C'est complètement illogique. C'est comme si dans One Piece, Luffy arrêtait de vouloir être le seigneur des pirates, et que son nouveau but se résumait à juste rencontrer son père. Et enfin, le je m'en foutisme à toute épreuve du corps enseignant. Mur abîmé. Situation mortelle. Destruction de bâtiment. Et j'en passe. Si on considère le lycée à Konoha comme un personnage, c'est certainement lui qui prend le plus cher au cours de l'histoire. Et que font les professeurs pendant ces joyeuses festivités? Mais que dalle! Le principal est obnubilé par son projet d'élève parfait, et les 4, oui j'ai bien dit 4 professeurs présentés, n'apparaissent qu'à la fin du manga à l'air de dire « Hey, y'a pas que des gosses ici !» Au final, Medakabox ne présente un réel intérêt que pendant ses 2e, 3e et 4e arcs. Le premier arc ne sert qu'à planter le décor et le fait à l'aide d'un déambulateur, et heureusement que les 5e et 6e arcs portent sur les meilleurs personnages du manga, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un spin-off centré sur Medaka et compagnie. Cependant, bien qu'il ne compte que 192 chapitres à son actif, ce manga est mémorable pour la qualité de ses personnages et de ses concepts. Pour ceux qui ont lu Medakabox, j'espère que mon analyse vous aura satisfaite. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, voici 5 raisons de vous y mettre. Numéro 5, c'est l'un des rares shonen dont le personnage principal est une fille. Numéro 4, aucun personnage n'est bloqué dans un seul rôle, genre le comique, la tsundere ou le super sérieux. Ils ont tous différents aspects et certains sont très stupéfiants. Numéro 3, les pouvoirs sont plus impressionnants conceptuellement que visuellement, ce qui est très rare pour un manga de baston, et je le redis, ils sont scientifiquement explicables. Numéro 2, fuck la science, les pouvoirs sont géniaux, tout simplement. Numéro 1, lui. Si Medakabox est inoubliable, c'est pour ce personnage, Misogi Kumagawa. Pour vous spoiler le moins possible, je vais juste vous montrer ce court passage du dernier épisode de l'anime pour que vous compreniez ce que je veux dire.僕はそこまでするつもりはなかったのに。決して12色までって思ってたのに。そんなキラーパスを出せたら期待に応える資格なくなるじゃない。やめろ。オールフィクション。全ての色をなかったことにした。 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou me faire des critiques si vous trouvez que je peux améliorer mes analyses. Par ailleurs, je compte faire sortir d'autres mangas de mes archives, mais vous pouvez très bien m'en proposer. Je ne vous mets qu'une seule condition, leur publication japonaise doit être terminée. Et dernier détail, je n'ai ni compte Facebook ni compte Twitter, donc le seul abonnement que je vous invite à souscrire est celui de ma chaîne Les Archives de Val. Merci de votre attention et à bientôt !